Cher Monsieur le Président, chers amis, peut-être avant de rentrer dans mon sujet, je voudrais conforter ce que Monsieur Marc nous a dit juste auparavant. Pour Civitas, c'est un mouvement catholique qui œuvre sur le plan politique et dont le but est évidemment de parvenir à l'action. Parce que c'est évidemment en agissant que nous manifestons la conviction qui est la nôtre de vouloir changer quelque chose dans la société. Et pour parvenir à l'action, il est nécessaire auparavant d'être bien persuadé de la nécessité de la prière, de l'union à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi tout Civitas ne peut s'expliquer que par la foi catholique. Et il est également nécessaire de se former intellectuellement parce qu'on agit convenablement que lorsqu'on a les idées, les principes qui sont bien nattes dans son esprit et qui permettent d'orienter l'action comme il le faut. Donc, prière, formation, action. Et je dirais, c'est une nécessité de bien respecter les trois, et je dirais de respecter également l'ordre, prière, formation, action. Comme vient de le dire le chef de région, les actions ne manquent pas. Elles pourraient être beaucoup plus nombreuses et beaucoup plus offensives encore si les militants étaient plus nombreux et bien au fait des choses. Mais je dirais petit à petit, c'est dans le sens qu'il faut que Civitas va, c'est-à-dire de vraiment prendre position, tant sur le plan national que régional, que départemental, que communal, là où il y a des membres, sur le plan politique. Voilà. Donc je vais évidemment, dans cette conférence, me situer dans ce domaine de la formation. Et mon but va être maintenant de chercher à vous expliquer, à vous donner en tout cas une partie de l'explication de cette solitude dans laquelle se trouve l'homme contemporain, l'homme du XXe siècle, l'homme du XXIe siècle, l'isolement et la solitude dans lequel il se trouve. Est-ce besoin de démontrer que l'homme du XXe siècle et du XXIe siècle vit d'une façon qui est extraordinairement solitaire par rapport aux hommes des siècles précédents? Je le montrerai sur trois points, et en le montrant sur trois points, j'introduirai en fait les trois origines que je donnerai à cet état de fait de l'isolement de l'homme contemporain. Donc, premier point de cet isolement de l'homme contemporain, c'est que, alors qu'on n'a jamais autant parlé de la communication, véritable tarte à la crème de notre société moderne, jamais la communication entre les hommes n'a été aussi pauvre. Pourquoi? Pour bien des raisons, j'en citerai quelques-unes sans vraiment chercher à être exhaustif, ce n'est pas possible. Les écrans sont des écrans, véritablement, et tuent la communication. L'émergence de l'appareil de télévision dans la salle à manger des familles a tué les relations entre les membres de la famille, et à combien plus forte raison encore, la multiplication des écrans dans toute chambre, dans toute pièce de la maison, fait que les personnes de la famille ne se parlent plus. Que dans la formation qui est donnée par l'éducation nationale, et ça m'entraînerait trop loin de dire depuis le plan Langevin-Wallon que ça vient de très loin, on est vers une hyper-spécialisation des personnes qui sont orientées vers le choix d'un métier le plus rapidement possible, et
Les hommes savent tout sur rien et ont une ignorance de plus en plus abyssale sur tous les grands problèmes qui doivent normalement préoccuper tout homme en ce monde. Parce que ce qu'on appelait autrefois du nom d'humanité, qui permettait aux hommes, dans leur scolarité, de réfléchir sur les grands problèmes qui se posent aux hommes, en scrutant depuis l'Antiquité et à travers les siècles, eh bien, les pensées les plus intéressantes qui avaient été données sur ces sujets, tout cela est abandonné, toute l'éducation est ravalée par le pragmatisme actuel. De telle manière, c'est des choses qui sont constatées par les statistiques, de telle manière que le langage de l'homme contemporain est réduit à un champ lexical minuscule de quelques 400 ou 500 mots de vocabulaire avec lequel il est censé communiquer avec ses semblables. De nouveau, tout cela provoque l'isolement de l'homme et son incapacité, parce qu'il n'a plus les outils pour cela, de pouvoir, avec ses semblables, parler de choses un petit peu élevées. Parce que en lui retirant son vocabulaire, on lui retire la capacité qu'il a de réfléchir. Mais voilà, ne vous inquiétez pas, chers jeunes, que la génération qui vient ne se préoccupe pas, on pense pour vous. Hein. Il suffit de désormais faire appel à ChatGPT qui vous fera lui-même vos dissertations, qui vous montrera comment vous devez faire une lettre, etc. J'ai bien aimé la petite vignette de Char où l'on voit un inspecteur de l'éducation nationale face à une sorte de zombie de peut-être 18 ou 20 ans et qui lui dit « Ah oui, votre copie, elle est vraiment bien. » Évidemment, c'est sur ChatGPT qu'il a fait son travail. Il lui dit simplement « Il manque peut-être à votre copie quelque chose un petit peu personnel, comme défaut d'orthographe, par exemple. » Deuxième, voilà, je passe maintenant au deuxième motif de cet isolement, de cette solitude de l'homme moderne, eh bien, c'est la destruction du catholicisme et la destruction de cette société du catholicisme. Bien sûr, le catholicisme demeure, il a les promesses de la vie éternelle. Je ne rentre pas dans toutes les distinctions qu'il faut faire pour dire qu'il est simplement eh bien, métastasé par le modernisme et par tout ce qu'il a détruit dans sa partie humaine, de telle manière que toutes ces sociétés qui existaient, comme les paroisses, n'existent pratiquement plus. On est obligé de faire des paroisses de suppléance, que la présence de ces sociétés religieuses qui étaient présentes tant dans les hôpitaux que dans d'innombrables œuvres de charité et qui faisaient eh bien, que ceux qui étaient seuls trouvaient toujours une sorte de famille spirituelle a considérablement diminué et se trouve réduit à presque rien. Donc de nouveau, eh bien, la force qui existait dans cette société unifiée par le catholicisme a disparu. Sans compter, eh bien, le matricide qui a été commandé par Luther et par le protestantisme, puisque la Très Sainte Vierge Marie a été eh bien, arrachée à ses enfants. Troisième motif de l'isolement de l'homme contemporain, c'est la destruction des sociétés naturelles, cette fois-ci. Auparavant, je disais société surnaturelle, l'Église, maintenant je dis les sociétés naturelles. Et depuis les corporations qui existaient dans l'Ancien Régime, supprimées par la loi Le Chapelier et remplacées par des syndicats qui opposent les hommes les uns aux autres comme s'ils avaient des intérêts qui étaient contraires, suppression des provinces et de tout ce qui faisait la beauté et la richesse de nos pays, diminution des communes. On en parlera peut-être aujourd'hui, de telle manière que petit à petit, eh bien, les maires sont retirés des villages au motif de l'intercommunalité qui évidemment fait que le contact est de plus en plus diminué entre les édiles locaux et la population,
Et puis, je dirais, c'est la suppression de la famille qui nous fait le plus peur aujourd'hui, la dernière société naturelle qui restait et qui est disloquée dans tous les sens. De telle manière que l'homme contemporain est un homme solitaire, un homme à qui on a retiré les moyens de pouvoir communiquer avec ses semblables et un homme qui n'a plus la présence de l'Église catholique pour pouvoir l'aider au moins quand naturellement les choses sont si difficiles. Et donc ma question c'est d'où cela vient-il ? Bien sûr, à cette question, on peut répondre en disant, et on n'a pas tort, c'est la franc-maçonnerie, ce sont les ennemis de Dieu et les ennemis de l'homme qui agissent, certes. Mais ce sont quand même les idées qui commandent au monde, et la franc-maçonnerie elle-même est tributaire d'un certain nombre d'idées, qui sont des idées qui peuvent être très, très anciennement distillées dans la pensée des hommes, et qui petit à petit sont reprises, sont affinées par les forces mauvaises pour pouvoir détruire l'homme, on peut dire. Voilà, ce qui m'amène, vous voyez, par rapport à ces trois points que j'ai donnés, à ces trois constats que j'ai faits, c'est-à-dire destruction du pouvoir de communiquer, premièrement, deuxièmement, destruction du catholicisme, et troisièmement, destruction des sociétés naturelles, de remonter à trois penseurs, ou en tout cas à trois hommes qui ont beaucoup influencé le mouvement de la pensée, et de vous montrer de quelle manière cette dégradation intellectuelle et cette dégradation de la société qui en résulte s'est produite. Bien entendu, je ne prétends pas, en donnant ces trois noms, dire qu'ils ont toute la responsabilité de ce qui se passe aujourd'hui. Mais je pense que ce sont trois jalons qu'il faut connaître pour parvenir à comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Pour la plupart d'entre vous, vous en connaissez au moins deux noms, deux sur trois, et je vais commencer par celui que vous connaissez le moins, et donc qui est un moine franciscain anglais qui est à cheval sur le 13e et le 14e siècle, et qui s'appelle Guillaume d'Ockham. Donc, il a beau être franciscain, je ne vais pas en dire du bien pour autant. Guillaume d'Ockham, donc, grosso modo 1295-1350, Guillaume d'Ockham est porté par deux soucis distincts, et qui n'ont pas beaucoup de lien l'un par rapport à l'autre, autant qu'on puisse le voir. Son premier souci est un souci de théologien, et le deuxième est un souci philosophique. En théologie, Guillaume d'Ockham attache beaucoup d'importance à sauvegarder la parfaite liberté de Dieu. De Dieu qui est tout-puissant, et s'il est tout-puissant, Dieu doit pouvoir faire ce qu'il veut. Et son souci philosophique est de ne rien admettre pour vrai que ce qui est absolument certain. De soucis qui nous paraissent très légitimes, mais nous allons voir les conséquences qu'il en tire. L'un des meilleurs auteurs à avoir analysé la philosophie au Moyen-Âge, qui est très très vivace et extrêmement importante pour comprendre la suite, c'est Étienne Gilson, et qui a expliqué que Ockham, avec ces deux soucis qui paraissent, comme je vous le disais, très différents l'un de l'autre, eh bien que c'est, étant donné qu'il avait ces deux soucis, qu'il est parvenu à une synthèse, vous voyez, qui est très, très personnelle, très originale, mais qui s'oppose considérablement à son grand prédécesseur immédiat, qui est saint Thomas d'Aquin. Voilà, donc tout d'abord, eh bien, le problème théologique de la toute-puissance et de la liberté de Dieu chez Ockham
entraîne qu'il faut donc, pour que Dieu soit Dieu et pour qu'il soit tout-puissant et qu'il soit libre, que Dieu puisse faire vraiment tout ce qu'il veut sans aucune limitation qui doit être posée par l'homme. Certes, chers amis, nous pouvons aujourd'hui nous étonner de ce genre de dispute qui existait au Moyen-Âge et qui passionnait les hommes. On s'échauffait sur des querelles théologiques, comme aujourd'hui on fait des thèses pour comparer les mérites de Coca-Cola ou de Pepsi-Cola. Chacun choisit ses sujets de réflexion. La question de la liberté divine avait été étudiée, effectivement, par de nombreux auteurs. Et voilà le genre de questions qu'on pouvait se poser et sur lesquelles on disputait. Première question, est-ce aller contre la liberté divine que de dire que Dieu, ayant posé la nature humaine comme elle est, pourrait cependant faire que de la génération humaine naisse quelqu'un qui ne soit pas un homme? Si Dieu est tout-puissant, Dieu pose la nature humaine, mais est-ce que Dieu est ensuite tenu de faire que de la génération humaine naissent forcément des hommes? Première question. Deuxième question, est-ce que Dieu aurait pu faire un monde où dire la vérité aurait été vicieux et mentir aurait été vertueux? Si Dieu est Dieu, Dieu est libre, Dieu aurait-il pu faire un monde où mentir aurait été vertueux et dire la vérité vicieux? Que répondait saint Thomas d'Aquin auparavant? Eh bien, saint Thomas d'Aquin répondait en distinguant la puissance absolue et la puissance ordonnée de Dieu. Il disait que de puissance absolue, Dieu peut tout faire, mais que de puissance de tout faire, je dirais sauf, mais je vais un petit peu préciser mon sauf ce qui est contradictoire. C'est-à-dire que Dieu ne peut pas faire qu'un cercle soit carré, parce que ce qui est contradictoire, eh bien, n'existe pas, et c'est que nous qui avons ces idées de contradictoire. Ce n'est pas une preuve de puissance que de faire ce qui est contradictoire, parce que ce n'est pas possible. Dieu peut faire, donc, de puissance absolue tout ce qu'il veut, mais de puissance ordonnée, il fait ce qui est conforme à sa sagesse. Et ce ne serait pas sage que de la génération humaine naisse un non-homme. Et ce ne serait pas sage que de faire du mensonge un acte vertueux, et même ce serait là contradictoire à la puissance divine. Mais, donc, après saint Thomas d'Aquin, vous voyez que saint Thomas d'Aquin, c'est une véritable apogée, le XIIIe siècle, le XIIe, XIIIe siècle sont vraiment l'apogée de notre pays, à tous les points de vue, au point de vue artistique, au point de vue intellectuel. Eh bien, après une apogée, par définition, ce qui suit, c'est une décadence. Cette décadence, elle se manifeste par d'autres docteurs, eh bien, qui vont rejeter le thomisme, qui vont s'opposer au thomisme, d'abord Don Scott, et ensuite ce fameux Guillaume d'Ockham, eh bien, qui vont, pour maintenir l'absolu de la liberté divine, dire sans sourciller que oui, Dieu aurait pu faire un monde où tout ce qui est péché aurait été vertueux, et tout ce qui est vertueux aurait été péché. Ou Dieu aurait pu faire un monde où blasphémer contre Dieu aurait été vertueux. Vous trouvez ça dans leurs écrits. Et il est facile de comprendre dès maintenant, mes chers amis, à quel point un tel système ébranle la morale. Parce que finalement, tout ne dépend plus que de l'arbitraire divin. Dieu a fait un monde où dire la vérité est vertueux, mais Dieu aurait pu faire un monde où dire la vérité aurait été vicieux. Donc on a, dans le principe, même si ces ébranlements au départ sont dans des thèses théologiques que peu de personnes connaissent, eh bien, en réalité, ce sont des ébranlements très profonds qui commencent. Et de la même manière, à propos de la génération humaine, il répond que oui, d'un homme et d'une femme peuvent naître un non-homme. Et il le dit pourquoi? Il le dit parce que, en préalable, en présupposé, eh bien, que ce que nous appelons les natures, par exemple la nature humaine, de dire que Pierre, Paul et Jacques sont des hommes, en fait,
C'est une manière de parler, mais ça ne correspond pas à une réalité. Voyez, c'est facile de classer ceux qui sont dans cette pièce en disant « ce sont des êtres humains ». C'est une sorte d'étiquette qu'on leur donne, c'est une manière facile de classer, mais ça ne correspond pas à quelque chose d'ontologique, de vraiment présent, et qui fait qu'il y a une véritable nature humaine. Et, en réalité, dans ce deuxième problème philosophique, rappelez-vous le premier problème théologique de la liberté de Dieu, ce deuxième problème philosophique, est-ce qu'il y a des natures ? Non, dit Occam, il n'y a pas de nature, en fait, vont se rejoindre. Et Gilson fait très bien remarquer qu'effectivement, eh bien, la synthèse va naître de ce qu'il se pose, ces deux problèmes. Parce que, évidemment, s'il n'y a pas de nature, si Dieu n'a pas fait une nature humaine, ou d'autres natures, eh bien, Dieu, effectivement, en conséquence, est libre aux yeux d'Occam. C'est-à-dire qu'il n'est plus, il n'a plus à respecter les natures qu'il a posées dans l'univers. Vous comprenez ? S'il n'y a plus de nature humaine et qu'il n'y a que des individus, eh bien, Dieu n'étant pas tenu par les natures qu'il a posées, effectivement, deux êtres humains peuvent très bien être un non-homme. C'est clair ? Oui, je dirais que c'est un point qui est capital et qui est extrêmement important pour comprendre ce que l'on voit aujourd'hui et qu'on appelle le transhumanisme. À partir du moment où il n'y a plus de nature, eh bien, tout devient possible dans une sorte d'évolution. Je pense que les fondements, je ne dis pas les plus lointains, on peut encore remonter, mais les fondements très importants sont chez Occam. Et c'est ce qu'on appelle, le système d'Occam, on l'appelle le nominalisme. Alors, je dirais, si j'avais du temps, je dirais qu'il y a plusieurs sortes de nominalisme. Mais l'un, on parle aussi du terminisme d'Occam ou du conceptualisme d'Occam. Mais pourquoi le nominalisme ? Ça, je le dis parce que le mot est quand même juste à son sujet. C'est qu'effectivement, vous voyez, les mots, le mot homme, par exemple, ne renvoie qu'à lui-même. Il ne renvoie plus à la nature qu'il exprime, puisqu'il n'y a plus de nature. Donc c'est commode de parler comme ça, ça nous aide. On ne peut pas faire autrement si on veut exprimer quelque chose, mais dans la réalité, il n'y a plus de nature. Et donc effectivement, cette orientation philosophique va mettre Occam très à l'aise pour défendre cette liberté absolue de Dieu. Je cite Gilson, « L'unité de son œuvre tient précisément, l'unité de l'œuvre d'Occam tient précisément à la coïncidence d'intérêts philosophiques et d'intérêts religieux sans aucune origine commune que rien n'appelait à se conjuguer et qui fût sans doute resté distinct si le génie d'Occam ne les avait fondus dans l'unité d'une œuvre où les uns et les autres ont trouvé leur parfaite expression. » Se sont rejoints, pour le bonheur d'Occam, admirablement l'un avec l'autre. Le rejet de l'existence des essences, des natures, entraîne en philosophie un désintérêt pour tout ce qui est spéculatif, pour la philosophie, a fortiori pour la métaphysique. Le champ de connaissance de l'homme se trouve réduit à la connaissance des particuliers. On est déjà comme à l'origine de ce qu'on appelle le positivisme. Et si la philosophie finalement est complètement réduite, la philosophie ne devient plus capable de pouvoir venir en aide à la foi. Vous savez que la philosophie vient en aide à la foi, par exemple, en démontrant l'existence de Dieu, ou en démontrant la spiritualité et l'immortalité de l'âme. Eh bien, tout cela est perdu avec Occam, parce qu'il n'y a que des particuliers et qu'on ne peut pas tirer de loi générale, ça n'a pas de sens. Sur le plan politique, Occam se montre un partisan déclaré de Louis IV de Bavière contre le pape Jean XXII, soutenant dans ses écrits que le pape n'a aucun droit d'intervention sur le plan temporel. Il va être soutenu, ça m'amènerait trop loin, je le dis en passant, par des disciples de Sigeard de Brabant, qui est un autre
docteur du XIIIe siècle qui lui est partisan de la double vérité. On peut arriver à une vérité différente et contraire dans la foi et en philosophie. Eh bien, deux de ses disciples, Marcille de Padoue et Jean de Jandun, prendront la défense de Occam en esquissant une théorie de séparation de l'Église et de l'État. Vous voyez, donc les choses viennent de loin. Et à propos de l'Église, en plaçant les papes, en reléguant le pouvoir des papes et des conciles, et en faisant de l'Écriture sainte et de l'universalité des fidèles les seules règles infaillibles en matière de foi. Quelle est l'influence d'Occam? Elle est immense, c'est-à-dire que, donc il meurt en 1350, au XIVe siècle, deuxième partie du XIVe siècle, et au XVe siècle, la grande majorité des chaires d'université dans toute l'Europe sont tenues par des occamistes. La grande majorité. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que saint Thomas n'a pas d'influence, mais l'influence de saint Thomas est très inférieure à celle que Occam va avoir. Et cela m'amène à passer à mon deuxième nom. Et donc, je dirais, de ce que je viens de vous dire, mes chers amis, s'il n'y a plus d'universaux, s'il n'y a plus de nature, la possibilité entre nous de parler et de parler des mêmes choses se trouve complètement réduite. Complètement réduite, comme nous le voyons aujourd'hui. Pour exprimer d'une image dont je vais me resservir la philosophie d'Occam, le système d'Occam, on a parlé du rasoir d'Occam. Pas celui qui a coupé ma barbe, mais on a parlé du rasoir d'Occam, c'est-à-dire de cette façon de supprimer entre Dieu et les hommes tous ces universaux, toutes ces natures, toutes ces lois qui existaient pour que Dieu soit libre. Il ne faut pas qu'il y ait, pour que Dieu soit libre, il faut qu'il n'y ait que Dieu et les individus, finalement. Alors, je passe à mon deuxième nom, qui est celui de Luther. Luther, 1483-1546. Luther, parmi ceux qu'il étudie, parmi ses maîtres, a quelqu'un qui s'appelle Gabriel Biel, et qui est un occamiste. Et donc la généalogie entre Occam à deux siècles de différence, la généalogie entre Occam et Luther, on peut la montrer dans le nominalisme à travers le ou les maîtres que Martin Luther a eu. Et c'est Martin Luther qui, avec bien des analogies, va porter le deuxième coup de rasoir qui, cette fois-ci, se trouve dans le domaine religieux. Alors, la compréhension de l'aventure de Luther est en réalité, et c'est vraiment important de le dire parce que c'est très symbolique, la compréhension de l'aventure de Luther est en fait celle de l'histoire personnelle de Martin Luther, de cet homme qui entra en religion sans vocation. Tout le monde connaît, je pense, à peu près l'histoire de cet orage épouvantable dans lequel Luther craint de mourir. Et fait vœu de rentrer en religion s'il en échappe. Il en échappe, il rentre en religion et il se trouve sans vocation dans son monastère, confronté au combat que tout homme a à mener contre les concupiscences et luttant assez courageusement, mais finalement, à un certain moment, déclarant que la lutte est impossible, que, je cite, « la concupiscence est invincible ». Cet aveu de Luther est-il celui du désespoir? On pourrait penser que oui, mais il n'en a en réalité que l'apparence. En réalité, c'est le point de départ de l'épopée luthérienne. En réalité, c'est le moment d'une grande lumière et d'une grande espérance pour Luther. Il n'a pas à s'accabler, il n'a pas à se reprocher ses défaites, puisque la concupiscence est invincible. Il relit l'Évangile, il relit saint Paul, et il croit y trouver que oui, la concupiscence est invincible, parce que le péché originel a rendu l'homme radicalement mauvais.
la nature humaine n'est pas simplement abîmée, comme nous le disons, mais elle est corrompue dans l'essence même. Et donc, il n'est pas étonnant que l'homme ne puisse pas lutter victorieusement contre les concupiscences, puisque la nature humaine est radicalement mauvaise. Et donc, vous voyez, je dirais, quelle bouffée d'espérance pour Luther. Il n'a plus rien à se reprocher de ces combats qu'il ne parvient pas à gagner sur lui-même. Et il est celui, parmi les hommes, qui a eu la sincérité de s'avouer et d'avouer devant le monde que oui, effectivement, il ne triomphe pas de ses combats, mais simplement, là où on pourrait voir acte d'humilité, on doit voir en réalité justification de lui-même par une théorie, la nature humaine est totalement détruite, et donc ça n'est pas étonnant si je ne gagne pas mes combats. De telle manière que, pour Luther, qu'est-ce que la justification? La justification par notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, c'est qu'il a, notre Seigneur, a payé pour nous, par sa mort, par son sacrifice, il a payé pour nous tous les péchés, et nous demeurons avec nos péchés, mais ça n'a pas d'importance, parce que notre Seigneur Jésus-Christ va poser sur les immondices que nous sommes, sur les poubelles ambulantes morales que nous sommes, le manteau de la grâce. Et donc il n'y a pas de sanctification qui est possible. Le mot de sainteté n'a pas de sens. Et vous savez combien les protestants ont justement, par conviction, détruit tant et tant de statues dans toutes les églises du monde entier. C'est normal, il n'y a pas de sainteté. La Très Sainte Vierge Marie est repoussée, il n'y a pas de Très Sainte Vierge Marie. Pourquoi? Parce que si la nature humaine est détruite, eh bien, la sainteté est impossible. Par ailleurs, la question des œuvres, est vouloir bien agir, vouloir agir vertueusement, poser des œuvres bonnes, je dirais de nouveau, eh bien, c'est suspect à l'égard de Luther. Pourquoi c'est suspect? Parce que ça exprime un manque de confiance dans le Christ. La foi n'est plus qu'une confiance dans le Christ. J'ai confiance que le Christ nous a sauvés sans que nous ayons rien besoin de faire, sinon de croire que le Christ nous a sauvés. Et la foi n'est plus, comme nous le disons, l'adhésion de notre intelligence à ce que Dieu a révélé. La foi n'est plus qu'une confiance que l'on fait à celui qui a porté nos péchés et qui nous recouvre du voile de sa grâce. Voilà. D'où le fameux Pecca fortiter et crede firmius. Pêche fortement, mais crois plus fermement encore. Le christianisme n'est autre chose qu'un exercice continuel à sentir que tu n'as pas péché, quoi que tu pêches, mais que tes péchés sont jetés sur le Christ. Voilà, un petit peu ce drame qui est au départ le drame d'une personne, c'est-à-dire Martin Luther, qui va faire que, cherchant à se débattre avec lui-même, il va sortir cette théorie, et cette théorie va bouleverser l'Allemagne, et cette théorie va bouleverser la chrétienté. C'est le drame, au départ, de l'ego de Luther. C'est la persuasion qu'il a d'avoir vaincu son drame personnel par une relecture de l'Évangile, qui le libère et qui va lui donner la force, cette fois-ci, de braver l'Église et de braver la papauté. Parce que la papauté et l'Église, en fait, ont développé, on dira pourquoi après, ont développé, eh bien, une corruption de ce que le Christ a dit, de ce que l'Évangile a dit. D'où, eh bien, l'insurrection que Luther va commencer contre l'Église et contre la papauté. Et Luther est persuadé que c'est lui qui a raison et qu'il est infaillible. Je le cite en juin 1522, « Je n'admets pas que ma doctrine puisse être jugée par personne, même les anges. Celui qui ne reçoit pas ma doctrine ne peut parvenir au salut. » Et oui, ce sont des écrits de Luther. Et pourquoi cela est-il normal?
Eh bien, parce que l'Église a été pervertie, dit Luther, par quoi ? L'Église a été pervertie par la philosophie et par cette maudite scolastique. Il n'a pas de mots pour dénoncer saint Thomas d'Aquin et la scolastique. Mais pourquoi Luther a-t-il cette position sur la philosophie et sur la scolastique ? Parce que si la nature humaine est entièrement pervertie, eh bien la raison est entièrement pervertie. Donc la raison n'est plus capable de rien. Il ne reste que la foi, sola fides. Et d'autre part, dans la formation ocamiste qu'il a reçue, ocamienne qu'il a reçue, eh bien, je dirais, la philosophie a été réduite à rien du tout aussi, pour les motifs que je vous ai donnés auparavant. Donc les choses se rejoignent. Faisons le bilan du rasoir de Luther, maintenant. Eh bien, le rasoir de Luther, de quoi a-t-il débarrassé le chrétien ? Il a débarrassé le chrétien de l'Église et de la papauté. Institution démoniaque, institution qui s'est arrogée une sorte de magister, et de magister eh bien, qui est intolérable, parce que s'il n'y a plus que la foi, c'est directement le Saint-Esprit qui va dire à chaque chrétien quelle est la vérité, de telle manière qu'on a tout à fait raison de dire que chaque protestant est pape avec une Bible à la main. Il reçoit directement l'inspiration de Dieu, et on ne doit pas s'étonner de voir cette multiplication des sectes protestantes, puisque chaque protestant est directement éclairé par Dieu sans la médiation d'une institution et d'un magistère. Il nous débarrasse de la scolastique et de la philosophie, pour ceux qui en restaient, parce que Occam les avait déjà bien amouchés. Il nous débarrasse de la Sainte Vierge Marie et des saints. Il nous débarrasse des œuvres, finalement. Est-ce que vous ne voyez pas l'analogie qui existe maintenant entre Occam et Luther ? De même que Occam nous donne un homme qui est tout seul devant Dieu, puisque tous les intermédiaires, toutes les natures sur le plan ontologique ont été retirées, eh bien on trouve maintenant la même chose chez Luther, où l'homme se trouve seul face à Dieu, parce que tous les intermédiaires, mais cette fois-ci ceux de la religion et de la foi, ont été supprimés. Et, voyez, étant donné, je donne juste un aperçu des conséquences politiques, étant donné cette corruption profonde des hommes, eh bien, il n'y aura sur le plan politique qu'une seule manière qui sera la bonne, eh bien, ce sont celles de ces princes tyranniques, princes allemands tyranniques, qui devront mater le peuple, mater les hommes, puisqu'ils sont corrompus, et que si on veut maintenir un semblant d'ordre dans la société, il faut un pouvoir fort et un pouvoir même tyrannique. Je passe maintenant, vous voyez un petit peu, je pense, un petit peu mieux où je veux en venir, comment l'homme se retrouve, l'homme contemporain, l'homme d'après la Révolution française, l'homme moderne et contemporain, se retrouve seul. Le coup de rasoir d'Occam, le coup de rasoir de Luther, et je passe maintenant au troisième, qui est celui de Jean-Jacques Rousseau. On est de nouveau deux siècles après, Occam 14e, Luther 16e, Rousseau 1712-1778. Donc on est cette fois-ci au 18e siècle, et vous allez voir donc le troisième coup de rasoir cette fois-ci. Jean-Jacques Rousseau, né à Genève, de parents calvinistes. Je passe sur son existence, qui se traduit jusqu'à l'âge de 40 ans, pratiquement, par une sorte de vie de vagabondage, et au point de vue de sa formation, c'est un autodidacte. Né de parents calvinistes, il va se convertir au catholicisme sous l'influence de cette sulfureuse Madame de Varins, qui est catholique, mais catholique à sa manière, c'est-à-dire d'un catholicisme qui est sans dogme ferme en tout cas,
hein, rejet de l'enfer, voilà, et d'une morale un peu plus large, je passe. Il passe au catholicisme, il va y rester 26 ans, et puis il va revenir au protestantisme sur la fin de sa vie. On pourrait dire, mais parce que, vous voyez, je dirais, ce qui peut paraître un petit peu surprenant, c'est que s'il y a une comparaison à faire de Rousseau sur le plan religieux, elle n'amène ni vers le calvinisme à proprement parler, bien sûr le calvinisme est protestant, mais ni vers le catholicisme, mais elle amène vraiment vers Luther. Quelqu'un qui l'a bien montré, c'est Jacques Maritain dans son livre Les Trois Réformateurs. Les Trois Réformateurs, pour Maritain, c'est Luther, Descartes et Rousseau. Descartes, effectivement, a aussi une influence énorme, mais je dirais, il est très faux, je pense, de vouloir faire de Descartes le père de la philosophie moderne sans aller voir auparavant et sans aller voir justement ce fameux Occam dont je vous parlais en premier lieu. Comme Luther, eh bien, l'histoire de le système de Rousseau, c'est un décalque de sa personnalité. Et c'est de nouveau très suggestif de l'homme moderne. Hein. Luther, Rousseau traduisent en réalité leur moi, leur ego, dans un système. Et on passe en réalité d'une époque qui était celle de la transcendance, où l'homme se situait par rapport à Dieu, vis-à-vis de Dieu, à une époque où Dieu s'est en réalité énormément éloigné de l'homme, Luther et Rousseau, et c'est l'immanence qui prend la place. L'immanence, c'est-à-dire que tout doit sortir de l'individu, tout doit sortir de l'homme. Il exprime, c'est le père Thomas qui parle ainsi, il exprime en théorie son propre moi, Rousseau. Quelle est la théorie fondamentale de Rousseau, et qui va être, vous l'avez compris, la troisième partie de mon explication de la solitude et de l'isolement de l'homme moderne. Quelle est sa théorie fondamentale de celui qu'on peut appeler vraiment le théoricien de la Révolution ? Sa théorie fondamentale est que l'état naturel de l'homme, considéré seul sans la société, est d'être bon, c'est-à-dire parfait et heureux. Et donc ce sont les œuvres politiques de Rousseau. Rousseau, c'est surtout à sa théorie fondamentale, et ensuite il va, dans deux domaines, en tirer les conséquences. Dans l'éducation d'une part, c'est l'Émile, hein, et également en politique, c'est le contrat social. Et donc la question de l'éducation est extrêmement intéressante, parce que pour comprendre l'éducation depuis la Révolution française, on est obligé de prendre comme référence l'Émile pour la comprendre, et sur le plan politique, on ne peut rien comprendre à ce qui suit la Révolution française jusqu'à maintenant sans cette théorie du contrat social. Donc, je répète la théorie fondamentale. L'état naturel de l'homme, dit Rousseau, considéré seul sans la société, est d'être bon, c'est-à-dire parfait et heureux. Pourquoi ? Il donne trois raisons principales. Eh bien, parce que, premièrement, il a peu de besoins qui sont rapidement et pleinement satisfaits. C'est la société qui fait que les choses sont de plus en plus complexes et que les hommes ont de plus en plus de besoins. Et, en fait, tous ces besoins qu'ils ont à satisfaire et qu'ils ne parviennent pas toujours à satisfaire les rend malheureux. Voilà. Donc, au contraire, dans l'état naturel du Rousseau, il y avait très peu de besoins qui existaient. Deuxièmement, il est pleinement libre, ne dépendant de personne et n'ayant d'autres limites à son action que sa puissance même. Il est tout seul, hein, l'homme des cavernes, il agit à sa guise, personne ne lui donne des contraintes. Troisièmement, il est légal, et c'est très important pour Rousseau, il est légal de tous les autres, puisqu'il ne dépend de personne, il n'y a pas de domestique, il n'y a pas d'esclavage, chacun est libre à côté des autres.
Évidemment, mes chers amis, c'est à peine utile de le dire, l'histoire de l'homme, telle que je viens de la dire, telle que l'imagine Rousseau, décrivant l'état de nature où chacun vit solitaire et heureux, sans connaître ses parents ou ses enfants, sans langage, ni industrie, ni désir, et complètement loufoque. Ne repose absolument sur rien. Un enfant de 10 ans serait capable d'en remontrer facilement à Rousseau pour lui dire mais comment expliquez-vous que le petit enfant qui vient de naître ait besoin au contraire si longtemps du cocon familial pour pouvoir grandir et qu'aucun animal, plus que l'animal humain, n'a au contraire besoin d'avoir un immense entourage qui prend soin de lui pour qu'il ne meure pas. C'est ce que Charles Maurras a très bien exprimé dans sa belle comparaison entre le petit homme et le petit poussin. Le petit poussin qui sort de sa coquille, il est presque immédiatement indépendant, alors que le petit homme ne l'est pas du tout et qu'il lui faudra beaucoup de temps avant de l'être. Mais c'est pas grave, Rousseau a imaginé ainsi le début de la société. Le commencement de l'homme. Mais après, il se passe qu'il y a multiplication des hommes. Je passe sur certains détails qui sont très déplaisants. C'est-à-dire que, oui, il y a reproduction comment? Eh bien, parce que, comme les animaux, le mâle et la femelle se rencontrent au hasard d'un chemin. Voilà. Et donc, multiplication des hommes amène entre eux l'invention de la parole, mais aussi les rivalités, et puis un monstre qui est la propriété privée, parce que quelqu'un commence à dire qu'il veut être propriétaire, et comme il y a propriété, il y a nécessité d'arbitrer, donc magistrature et une autorité, le monstre des monstres aux yeux de Rousseau, qu'il y ait une autorité à laquelle il faille se soumettre, c'est contre la liberté inaliénable de l'homme. Donc, disant cela, Rousseau dit « l'homme n'est bon, et c'est la société qui déprave l'homme et qui est la source de tous les maux. » Et cette source de tous les maux, on peut les réduire, dit Rousseau, à trois principaux, qui sont premièrement la, ça va vous surprendre, mais vous allez comprendre, la perfectibilité, c'est-à-dire que à partir du moment où les hommes sont ensemble, les besoins, ai-je dit, se multiplient, parce que l'homme veut toujours se perfectionner. Et donc ça amène l'apparition de nouveaux besoins qui n'existaient pas auparavant, mais qui en réalité sont des besoins factices et qui font le malheur de l'homme. Deuxièmement, ça amène l'inégalité. C'est-à-dire que petit à petit, l'égalité primitive qui existait laisse la place à ces différences scandaleuses entre les riches et les pauvres, entre les chefs et les sujets, entre les maîtres et les esclaves, etc. Et troisièmement, justement, l'esclavage au sens strict, dit Rousseau, ou bien au sens du sujet d'un roi absolu. Non pas simplement l'esclavage au sens strict, mais le fait de dépendre d'un roi absolu. Voilà. Donc, étant donné le dogme, vous avez tous remarqué que le dogme rousseauiste initial s'oppose vraiment au christianisme et au catholicisme, et c'est le dogme de la bonté naturelle contre le dogme du péché original. De telle manière que le rousseauisme est dans l'œuf un anti-christianisme par la négation du péché original. Donc, la corruption de l'homme original vient par la société. Voilà. Alors, je vais un tout petit peu montrer d'autres faussetés, d'autres sophismes de Rousseau avant d'en développer les conséquences pour parler de ce que j'appelle maintenant le rasoir de Rousseau. Et que les hommes soient naturellement, à l'origine, bons, libres et égaux, comme le soutient Rousseau, est-ce que nous pouvons l'accepter?
Eh bien, non, nous ne pouvons pas l'accepter. Ce sont des affirmations brutes et en elles-mêmes inacceptables. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien de juste, mais il faut poser des distinctions précises, et ce sont uniquement ces distinctions précises qui nous permettent de dire en quoi l'homme est libre, en quoi il y a une égalité, en quoi il y a une liberté, en quoi il y a une bonté. Mais c'est juste vrai à un certain point de vue. Vous voyez, on peut dire qu'effectivement, tout homme ayant la nature humaine, que la nature humaine étant spirituelle, que cette nature humaine est libre. Donc dans ce sens-là, on peut dire qu'effectivement, tout homme est libre au début. Mais dans la réalité, eh bien, la liberté demande que la raison s'éveille dans l'homme, et l'homme ne peut pas être libre déjà tant qu'il n'a pas sa raison. Et il faut non seulement la raison, vous voyez un enfant de 6 ans, mais il faudra beaucoup de développement pour que l'homme de l'enfant, pour que l'homme puisse bien user de sa liberté. Vous voyez toutes les distinctions qui doivent être faites entre l'être et l'agir finalement de la personne. En ce qui concerne l'égalité, tout homme, en tant qu'il possède la nature humaine, est effectivement égal à son frère qui possède aussi la nature humaine. Encore faut-il admettre cette notion de nature humaine. Voilà. Mais dans la réalité, dès qu'on regarde ensuite les natures, la nature humaine telle qu'elle est individuée en telle personne, en telle autre personne, évidemment, c'est l'inégalité qui est partout. Inégalité d'un point de vue physique, d'un point de vue intellectuel, et ensuite, selon la manière dont l'homme va vivre sur la Terre et dont va acquérir ou des mérites ou des démérites. Et troisièmement, en ce qui concerne la bonté de l'homme, j'ai déjà évoqué le péché originel, qui est, pour tous ceux qui ont éduqué des enfants ou qui ont eu des petits frères et sœurs, et qui est si facilement constatable que le petit de 2 ans, de 3 ans, et de 6 ans, de 7 ans, et même après, n'est pas bon par lui-même, qu'il y a besoin de toute une éducation morale, naturelle et surnaturelle, pour que cet enfant combatte contre lui-même et s'oriente bien dans son existence. Donc c'est pourquoi cette bonté, dite comme ça, est absolument inacceptable. Et pourtant, c'est sur ces présupposés que l'on va construire, que les hommes de la Révolution vont construire, ces fameux droits de l'homme. Et on est basé là-dessus. Rousseau, théoricien de la Révolution, Rousseau, avec toutes ses conceptions, qui est le philosophe du XVIIIe siècle, qui en réalité a le plus d'influence sur la Révolution, parce que le droit nouveau, les droits de l'homme, qui remplacent le décalogue, sont bâtis sur l'homme nouveau, comme l'a conçu, comme l'a imaginé Rousseau. Alors, voyez, ici, je pourrais, de cette théorie fondamentale de Rousseau, je pourrais développer soit sur le plan de l'éducation et montrer les conséquences que ça a, soit, et je le privilégierai cette fois-ci, sur le plan politique. Et c'est en réalité assez compliqué. Parce que, étant donné tout ce que Rousseau a dit, c'est-à-dire que la société est contre nature, comment les hommes vont-ils vivre ensemble? Et cela, il faut vraiment le comprendre pour se rendre compte de ce qui s'est passé au XIXe siècle et jusqu'à maintenant. Eh bien, Rousseau va dire qu'il n'y a qu'une seule forme d'association légitime, il n'y a qu'une seule société légitime, c'est cette fois-ci son premier principe en politique. C'est le contrat social. Le contrat social. Voilà. Qu'est-ce que le contrat social? Rappelons-nous, étant donné que l'homme, par essence, au départ, est libre, il est souverain, indépendant, ce serait pour lui un crime que de renoncer à cette liberté qui est la sienne. Ça s'exprime ainsi. L'homme n'a pas le droit de renoncer à ce qui fait qu'il est homme, c'est-à-dire être libre. Or, c'est renoncer à être libre que de se soumettre à une autorité et d'entrer dans une société où il y a une autorité, forcément. Et c'est vraiment le point de départ de Rousseau.
Mais, eh bien, pourtant les hommes semblent attirés pour vivre en société. Hein, et comment faire pour que, eh bien, ils ne commettent pas ce crime de renoncer à leur liberté? Eh bien, c'est justement le contrat social, voyez, où c'est l'homme qui va choisir, par un acte personnel, hein, qui va choisir de remettre tous ses droits à ce qu'il appelle la volonté générale. Mais avant de donner cette partie qu'on pourrait appeler positive de la façon dont Rousseau conçoit la société politique, je voudrais vous dire d'abord, et c'est ma conclusion principale, comment Rousseau considère la société avec la société naturelle, la société avec, vous voyez, son autorité, qu'il s'agisse d'une monarchie ou d'une autre constitution, peu importe, une société naturelle avec les entreprises, avec les corporations, avec les provinces, avec les communes et surtout avec les familles. Qu'est-ce que Rousseau pense de tout ça? Si vous avez un petit peu compris ce que j'ai essayé d'expliquer, Rousseau considère que c'est intolérable qu'une société naturelle avec tous ses corps naturels, c'est intolérable. Pourquoi? Parce que ça oblige l'homme à se soumettre à des autorités, qu'il s'agisse du chef d'État, qu'il s'agisse du maire, qu'il s'agisse du chef d'entreprise, qu'il s'agisse du père et de la mère de famille. Non, tout ça brime l'homme, tout ça est antinaturel, tout ça ne permet pas à l'homme de pouvoir demeurer libre et égal, puisqu'il a au-dessus de lui des gens qui lui imposent des choses. Donc, la conséquence, et cette philosophie-là, aussi absurde qu'elle puisse vous paraître, et qu'elle l'est effectivement, c'est cette philosophie-là qui est la philosophie de la Révolution, et qui est la philosophie qui exprime, qui explique le 19e siècle, et qui explique le 20e siècle. C'est parce que justement, on a considéré que l'homme devait désormais être libre et indépendant et souverain, et qu'il y ait cette égalité parfaite entre tous les hommes, que toutes ces sociétés que nous appelons les sociétés naturelles doivent disparaître. Et que l'homme des droits de l'homme, que l'homme des démocraties modernes, doit se trouver de nouveau seul. Seul pour pouvoir être libre, indépendant et heureux sans être contraint par toutes ces sociétés naturelles. De telle manière, c'est une expression qui a été utilisée, mais vous allez voir, c'est la même métaphore que celle que j'ai utilisée, de telle manière que le 19e siècle sera le siècle de ce qu'on a appelé le déboisement social. Vous voyez, c'est la même idée que celle du rasoir. Vous voyez, il s'agit, le code Napoléon va très puissamment y aider, il s'agit, vous voyez, de ce que, dans une société, il n'y ait plus que les individus, d'un côté, et puis la volonté générale, dont on va parler après, de l'autre. Et tout ce qui existe entre les deux, toutes ces sociétés naturelles qui existent entre les deux, doivent disparaître, parce qu'elles sont indignes de l'homme. L'homme ne sera libre et heureux que lorsqu'il n'y aura plus que les individus et la volonté générale. Qu'est-ce que la volonté générale? Eh bien, elle est, dit Rousseau, étant donné que les hommes sont naturellement bons, elle est cette fois-ci ce mouvement naturel, et parce qu'il est naturel, il est forcément bon, qui va donner ses droits, qui va donner tous ses droits à l'instance qui désormais dirigera un pays, dirigera une société, et qui se traduira par le suffrage universel. Le suffrage universel est la façon pratique dont se traduit la volonté générale, sorte de dieu-état qui est créé par le contrat social. Mais dans cette société, tout va bien, et l'homme a gardé sa dignité parce qu'il a gardé sa liberté, étant donné que c'est lui-même d'une façon volontaire qui a tout donné à cette volonté générale. En gros, vous voyez, par le contrat social, il n'obéit plus qu'à lui-même.
Il n'obéit plus qu'à lui-même parce qu'il obéit à l'expression de sa propre volonté, qui est la volonté générale. Celui qui commande, qui semble commander, Macron et compagnie, ne sont que des mandataires du peuple qui est tout-puissant, qui est le vrai souverain. Voilà. Et alors, de cette manière, vous voyez, qu'est-ce que la loi ? Eh bien, la loi, c'est la volonté générale codifiée, qui est la seule règle du juste et de l'injuste. Hein, n'imaginons pas, hein, et Rousseau fustige le catholicisme, n'imaginons pas qu'il y ait une loi morale qui soit au-dessus de la loi, de la volonté générale. Non, ce serait indigne de l'homme. Non, c'est l'homme qui est souverain. Hein. Toute autorité vient non de Dieu, mais toute autorité vient de l'homme. Vient du peuple. Et simplement, vous voyez, et je vais rester là-dessus pour terminer sur Rousseau, vous voyez, dit Rousseau, et c'est extrêmement intéressant, et ça paraît contradictoire, et ça l'est en réalité, mais il faut donner encore cette dernière clé pour comprendre le monde dans lequel nous nous trouvons, et bien Rousseau dit, cependant, pour constituer la loi, il faut quelqu'un qui soit l'interprète de la volonté générale. C'est-à-dire, le peuple a besoin d'un guide, parce que parfois, Rousseau est devant sa contradiction, parfois le peuple se trompe. Il a besoin d'être guidé. Donc il a besoin d'un guide éminent. Il a besoin, je me passerai le mot, d'un véritable surhomme qui va le guider. Nous sommes arrivés au bout de la boucle, hein, concernant Rousseau, vous voyez, oui. On donne aux hommes, selon ces théories fumeuses de Rousseau, l'impression que c'est eux qui dirigent. On sape toutes les sociétés qui en réalité faisaient la force de l'homme, la famille et toutes celles que j'ai citées, l'Église, sur le plan surnaturel, vous voyez, l'homme est tout seul, hein, il n'a plus de famille, il n'a plus rien pour le soutenir. Les associations elles-mêmes sont de plus en plus mises en difficulté, vous voyez, et on a de nouveau, hein, c'est fascinant de mettre maintenant en parallèle avec ce que disait Occam et ce que disait Luther, eh bien, on a l'homme tout seul, tout nu, tout isolé, hein, devant son nouveau Dieu, qui est l'État Tout-Puissant. L'État Tout-Puissant, hein, le véritable maître qui s'impose à lui. Et évidemment, derrière cet État Tout-Puissant, eh bien, vous avez des marionnettistes qui existent. C'est le nom que je donnerai à ce guide éminent et à ce véritable surhomme dont parle Rousseau. Vous avez des marionnettistes qui sont là, qui vont amener la société vers où ils le veulent, vers amener les hommes vers où ils le veulent. Ils auront tellement de facilité pour amener les hommes vers où ils le veulent, puisque en fait ils auront sapé tous les appuis naturels, toutes ces sociétés, tous ces corps intermédiaires qui existaient et qui permettaient à l'homme, eh bien, d'avoir de la force, hein, d'avoir toutes ces racines qui leur viennent de ces sociétés. Eh bien, ça a été habilement fait. Toutes ces sociétés ont disparu. L'homme se trouve tout seul et on lui a retiré toute possibilité de penser. Hein. Il est vraiment le zombie face à l'État Tout-Puissant. Et l'État Tout-Puissant, c'est en réalité le Dieu immanent qui s'est substitué au Dieu transcendant. Il me reste à conclure. Et ma conclusion, je pense que si vous m'avez suivi, vous la comprenez. Et comment en est-on arrivé à cette, comme disait Descartes, à cette dissociété, hein, d'aujourd'hui? Comment on est arrivé là? Comment en est-on arrivé à cette incapacité pour les hommes de pouvoir se comprendre désormais les uns les autres? Toute la communication est réduite au SMS ou à peu près. Comment en est-on arrivé là? Eh bien, parce que tout a été sapé à ces trois niveaux que j'ai indiqués. Et donc, vous voyez, qu'est-ce qu'on peut tirer de cela? Que l'œuvre
que nous cherchons à entreprendre, elle se situe dans tous les domaines. Et tout à l'heure, le chef de province indiquait un certain nombre d'actions excellentes par lesquelles on s'oppose à ce qui se passe dans la société actuelle, dans l'antichristianisme, à cause de son antichristianisme, à cause de cette destruction de l'enfance par le gender, etc. Très bien. Et je dirais, nous avons aussi à la place quelque chose à construire, à reconstruire, à rétablir. Okay. Ce travail de Shivita, ce n'est pas uniquement négatif, d'opposition, c'est aussi un travail positif de reconstruction. Ce travail de reconstruction est titanesque, il est immense, mais nous ne sommes pas seuls. Nous avons notre Seigneur Jésus-Christ avec nous, okay. Et c'est un travail qui se situe dans tous ces domaines. Okay. Le domaine de la pensée, hein, de rétablir la pensée qui est juste, et nous sommes des nains montés sur les épaules de ces géants que sont des Aristote ou des saint Thomas d'Aquin. Et nous devons le savoir, et nous devons nous former, parce que nous avons absolument besoin de cela. Nous devons bien sûr, vous voyez, dans la crise de l'Église, savoir que l'Église catholique continue à exister en dépit des apparences, et être fils de l'Église, et faire tout ce que nous pouvons pour essayer, dans la suppléance, de retrouver une vie catholique entre nous, et vis-à-vis de Dieu. Et troisièmement, nous devons travailler d'arrache-pied pour ces sociétés naturelles. J'en ai cité plusieurs. Je voudrais particulièrement souligner la famille, parce que, ainsi que Sœur Lucie de Fatima l'a écrit dans une lettre à l'archevêque de Bologne, me semble-t-il, et le dernier combat du diable, il sera un combat pour détruire la famille. Je ne sais si c'est le dernier, mais ce que je peux dire, c'est que ce combat est invraisemblablement présent aujourd'hui et que, évidemment, nous devons tout faire, au contraire, pour la sauvegarde des sociétés naturelles et de cette société familiale en particulier. Merci beaucoup.